Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors, il n'y a pas très longtemps, je me suis acheté un Ninja Air Fryer. Et donc, justement, nous avions fait une petite vidéo de présentation de cette machine. Et vous avez été plusieurs dans les commentaires à me demander des recettes. Donc, je vais faire aujourd'hui des petites crevettes au lait de coco et au curry. Donc, c'est vraiment une recette très facile et très rapide. Donc, maintenant, les ingrédients. Alors, j'ai pris des crevettes, donc là il y en a environ 500 g. Il me faut du lait de coco, donc une brique de 20 cl, du sel, du paprika, du gingembre moulu, de la pâte de curry rouge, un petit peu d'huile d'olive, un citron vert, deux gousses d'ail et un petit bouquet de coriandre frais. Donc maintenant on va passer à l'épluchage des crevettes et puis après à la marinade. Allez, je prépare ma marinade. Alors, un petit peu d'huile d'olive, donc une cuillère à soupe, environ. Alors, je vais mettre de la pâte de curry rouge, donc l'équivalent d'une cuillère à café. Alors, je vais mettre un petit peu de sel. Un petit peu de paprika. Du gingembre moulu. Alors, je vais mettre l'ail. Et je termine par le lait de coco. Bon, je mets tout en fait, hein. Je mets la brique de 20 cl. Voilà, et puis je mélange aux crevettes. Voilà, donc c'est vraiment très rapide. Et maintenant, je vais mettre mes crevettes au réfrigérateur durant une quinzaine de minutes. En fait, la marinade va vraiment attendrir et parfumer ces petites crevettes. À tout de suite. J'ai récupéré mes crevettes. Je les ai laissées environ 15 minutes au frigo. Donc maintenant, je vais les mettre dans un plat. Voilà.
Et maintenant, j'enfourne. Je mets dans l'air fryer. Alors, je vais allumer mon Ninja. Et puis, je vais utiliser le grand bac. Donc, je vais enlever la séparation. Alors, je vais mettre mon plat dans le grand bac. Voilà. Donc là, je vais mettre en fonction roast. Je vais mettre à 180 degrés. Et puis, dans un premier temps, une dizaine de minutes. Pendant ce temps, en fait, je vais préparer ma coriandre et puis mon jus de citron. Et puis, on va quand même surveiller en cours de cuisson. Alors, mégazone et start. Et bien voilà, c'est cuit. Voilà. Donc je vais sortir mon petit plat. Alors maintenant, je vais finaliser mon petit plat avec la coriandre que j'ai bien ciselée. Par un petit peu de zeste de citron vert. Et puis je vais mettre un petit peu de jus. Voilà. Et maintenant, je vais préparer mon assiette. J'ai préparé ma petite assiette et j'ai servi en fait ces petites crevettes curry coco avec des nouilles asiatiques. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients, les quantités dans le descriptif. Surtout, vous vérifiez que vous êtes bien abonné. Un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Cuisinez bien et à bientôt!